Nous connaissons l'examen d'État, notamment le baccalauréat, c'est un grand espace côté l'État de dialogue avec la jeunesse. Là. Parce que la classe terminale, là, philo ou NS4, c'est une étape décisive dans la vie jeune. Grand Pilon, nous passons par là, nous passons par là, toute table passe par là. C'est là que nous avons gardé qui s'en apprend pendant le parcours scolaire. Nous. Et l'État va l'évaluer, ben nous diplôme et ouvrir porte pour nous vers d'autres étapes dans la vie, nous, l'université ou l'enseignement technique ou professionnel. Donc, son bagage important, son processus obligé, son route. Sous la les plus loin dans la vie, dans le projet, pas ou, obligé de passer. Évidemment, il y a des gens qui passent, qui font l'autre chemin, mais nous pensons que son bagage important. Examen ça, ce examen qui vitrine pays a parce que n'a préparé moun, n'a voué étudier à l'étranger, donc y a regardé son affaire. Ce événement et nous avons dit académique que lié. Et en cela, nous dit société R, une fois de plus, merci. Le troisième remerciement, c'est tout agent éducatif, tout acteur institutionnel, tout le monde à différents niveaux. Inspecteur de district, départemental, des zones, inspecteur du fondamental, du secondaire et autres qui mobilisaient pour nous venir à l'étape ça, nous disons merci. Nous disons merci à gouvernement tout, parce que nous connaissons dans Santio, c'est pour nous, c'est nous qui assurons la sécurité, mais dehors Santio, c'est pour l'État. Environnement scolaire, c'est pour l'État. Et nous disons merci pour l'accompagnement que ben nous. Et nous disons merci tout à directeur départemental. Jusqu'ici, nous pensons qu'on a un gros travail. Nous connaissons des zones qui sont plus difficiles que l'autre. Par exemple, si vous prenez quelques départements, permettez-moi de dire quelques mots. Là, vous prenez le département sud. Suivant l'UNICEF, il y a environ 360 000 familles qui quittaient le grand département de l'Ouest. Et de ces 360 000 familles, il y a 170 000 écoliers. Donc, son département qui a pile pression sous lui parce que il y a l'école qui contrôle la météo, il y a le Cléogane, il y a le Petit Gouave, Miragouane, les Cailles. Donc, ils ont réussi quand même, font gestion qui permet nous là. Nous disons merci. Nous avons 109 453 élèves NS4 et à statistique ça, on a ajouté 819 inscrits pour bac permanent. Ça qui bat nous environ 121 006 élèves. L'EMVI dans le ministère là, a une projection de 1 milliard 400 millions de gouttes pour les examens d'État. Dans 1 milliard 400 millions de gouttes là, a 819 millions comme ça que finance premier arbitrage qui était fait, tu as été disponible. Et donc, question suivante, nous n'avons pas un chiffre exact l'embagène. Donc, c'était ça. Il faut dire que les examens d'État, c'est une grande activité que le ministère a réalisée chaque année. Il faut dire aussi que nous avons deux grands chantiers là, c'est bien et les examens d'État et la rentrée des classes 24-25. Nous connaissons que l'examen, c'est toute une chaîne. Parce que nous commençons de l'amont à l'aval, c'est inscription, d'accord, inscription des candidats. Nous passons par validation des candidats. Nous faisons élaboration des textes. Et que nous arrivons dans un moment, ça, c'est dans le passage que nous parlons, administration et des tests, d'accord, qui peut être du 5 au 8 août. Et que nous gagnons pour nous arriver dans le résultat. Résultat, son bagage tout parent après tant. Et en fin de compte, c'est bien la certification. Parce que si nous avons diplômé dans le niveau A, c'est tout normal que de joindre un certificat ou bien un diplôme. Consignes, nous essayons de revisiter, mais ce sont les mêmes consignes. Nous avons près de 8 consignes là que nous avons partagé ça rapidement avec nous. Et nous disons que tout candidat, yo si pran yo en flagrant délit de fraude, eh bien, candidat sa yo, y a pas annulé copie. Et y a invité yo pour yo laisser espace là. Et gon procès verbal
cap gagner pour rester. Et candidat ça qui fautif là, il pas capable participer aux examens pour une durée minimale de 2 ans. Quand deuxième consigne, aucun candidat ne peut pénétrer dans un centre d'examen avec une arme dans main. Le ministère a condamné ça net et que il a metté le dehors, il a metté le dehors dans le centre là hein, et quel que soit capable dit nature arme. 3. Usage des calculatrices programmables. Le ministère interdit tout candidat ne peut pas entrer avec un calculatrice ça. Parce que nous connaissons que le ministère a lutté contre toute culture de tricherie. Ouais, tricherie à ministère n'a pas quoi la donne, même si nous vivons dans un environnement numérique, nous comprenons quand même. Mais évidemment, les calculatrices sont bail qui sont chargées, nous ne pouvons pas quitter tout le monde rentrer avec eux. Ni question téléphone cellulaire là tout. Ils ont interdit pour ni candidat, ni surveillant, ouais, ni superviseur pour pas venir avec en question, avec question téléphone, etc. Mais tout simplement, eh ben nous capables de dire que responsable central, en raison d'interface qu'elle a eu avec le bureau central ministère là, eh ben nous obligés, eh ben accepter ça. Et après 4 ces téléphones cellulaires là, on a pris 5 dans tout. Tout candidat suppli en flagrant délit de fraude avec un téléphone cellulaire sera éliminé. D'accord? Il a éliminé. Ouais, on peut mettre pas rentrer avec. Et cela arrive, rentrer avec, eh bien, sanction, c'est que nous désolé, le ministère est obligé, eh bien, éliminer le candidat. Bon, l'autre conseil encore, c'est le sixième là. Toute personne surprise en flagrant délit de fraude aux abords et ou dans les centres d'examen sera mis aux arrêts et il y a pour mettre les autorité judiciaire pour les suites légales. On est monde qu'on a pas dans centre pour examen etc. et nous pour exhorter tout et bien pour pas impliquer dans genre d'opération marginale ça et que capable de souffrir en pile. D'accord, effectif candidat qui a participé dans examen yo. Mais nous n'avons pas gagné par département. Nous avons dit que pour l'Ouest, nous avons 48 421 candidats qui représentaient 44,28% de candidats. C'est la plus grosse quantité d'élèves qui ont participé à l'examen. Nous avons le Nord-Ouest qui est 6,411 candidats qui représentait 5,91%. Nous avons le Centre qui a 6954 candidats qui représente 6,35%. Nous avons Nord-Est qui a 4,651 candidats qui représente 4,25%. Nous avons la Grandance qui a 3,739 candidats qui représente 3,42%. Nous avons le Sud qui a 6,477 candidats qui représente 5,92%. Le Nord qui a 12,302 candidats qui représente 11,24%. Nous avons l'Antibonite qui a 11,956 candidats qui représente 10,92%. Nous avons le Sud-Est qui a 4,438 candidats qui représente 4,5%. Et le NIP qui a 4,4 candidats qui représente 3,66%. Donc là, nous combinons tout et examen ensemble, c'est-à-dire point NS4. Je prends NS4 permanent, je prends Philo permanent cap composé, et bien, Pigomo soit, et bien, c'est l'Ouest qui vient avec 56,41% candidat. Donc, c'est Pigomo soit. Et Pipiti encore, c'est le Nord-Ouest qui représente 1,34%. Là, nous prenons tout examen combiné. Après, nous avons fichu élèves à composer, commencer lundi. Par exemple, lundi matin, eh bien, tout le monde a composé dans la philosophie. Et dans l'après-midi, il a composé dans la chimie. Mardi matin, tout le monde a composé dans l'histoire et géo. Et dans l'après-midi, eh bien, tout le monde a composé dans la SVT, sauf série LLA, qui a composé dans la créole. Dans mercredi matin, nous avons, tout le monde a composé dans la physique, sauf série LLA qui a proposé dans art et musique. Et dans l'après-midi, il a fait anglais,
ou bien espagnol, sauf elle est là qu'a fait seulement anglais. Et dans jeudi matin, tout le monde a proposé dans mathématiques, et bien tout reste élève a proposé dans créole, sauf elle est là qu'a proposé dans espagnol. Nous devons profiter pour dire qu'il y a une rumeur qui t'a couru qui te dit que fiche candidat a un problème. Effectivement, nous sommes capables de dire qu'il y a un inconvénient par le fait qu'il y a un changement de centre et de chaise qui fait. Parce que nous connaissons un problème dans Port-au-Prince, un problème en Badelma, un problème dans Cafou, un problème dans Grissier. Et bien, nous sommes obligés de changer. On se dit des centres habituellement que nous avons choisi, que nous sommes obligés pas qu'à choisir encore en fonction de la situation. C'est ça qui fait que, eh bien, les fiches de fiches imprimées, nous constatons que tu as gagné 2-3 centres qui étaient dans la base là, qui ont été mis quand elle là-dedans, et que nous connaissons que Timoun Sayo n'est pas capable de compter dans le centre Sayo. Donc, nous sommes obligés de refaire une partition des candidats, réimprimer l'autre fiche, et que toute fiche est sortie normalement, et que nous travaillons tout mercredi soir jusqu'à 5h du matin pour nous livrer toute fiche à tout candidat. Donc, actuellement, tout bagaille OK, tout candidat recevra fiche en dans l'école, il y a qu'à mettre ça, il y a qu'à mettre les photos, donc tout bagaille OK pour que lundi matin effectivement et bien payant les marchés. Donc on capable dire tout candidat bonne chance. Examen ça yo et gon caractère spécial surtout à DIC, surtout pour le bassin de Port-au-Prince avec la Tibonite, parce que généralement on a une chance qu'elle gagne environ 8 départements et demi, donc a dit qui travaille très bien pendant toute année. Mais l'Ouest, l'on a regardé les statistiques, représentait un gros pourcentage. Et ça fait l'été gagner des précautions qu'il fallait prendre par rapport à le travail l'Ouest. Là. C'est par rapport à la question, ça, nous-mêmes, nous avons préparé ça en thérapie éducative. Thérapie, elle est venue par rapport à faire mon retourner dans l'espace, renouveler le contrat que nous avons gagné sur compensation apprentissage. Qui fait un pile monde qui déréter la caille pendant 2 ou 3 mois, mais capable de prendre un espace pour faire une thérapie par rapport à ce grand drame national qui est au sort de suivre. Donc ça permet que notre gourmet et ministre Antoine contre tragédie ça pour notre cas venir en thérapie. Dans la thérapie ça tout, et notre vinoué, ou cap monde capable de composer, les gens qui sont malades, les composer, les gens qui ont bonne santé, les composer. Mais maintenant, il y a un élément qui est fondamental, c'est qui est ta santé. Et quel type d'examen qui gagne. Donc, nous préparons un examen en temps de crise. Et examen en temps de crise, ça permet nous de faire possibilité à tout le monde qui est capable de suivre le programme là, et qui est capable d'arriver dans le seuil minimal. Là. Pour nous-mêmes, la question de crédibiliser les examens d'État, le ministère là pas lésiné sur ça. À savoir, ce n'est pas parce qu'on a un drame. Et que pour nous, bon, on diplôme et qu'on pas mérité, nous pas droit à la nation, menti. Donc, dans ce sens, ça, nous toujours qu'un B, faut crédibiliser et crédibiliser, vous voulez dire, les conseils minimales, les gens qui dans NS4, qu'elle doit gagner. Jusqu'à présent, ça a qu'un B dans le cas d'examen. Si toutefois, les gens qui n'ont pas qu'à arriver à passer, au lieu de ballon diplôme, ça qui est plus bon, c'est accompagner pour gagner connaissance et de gagner connaissance, c'est capable de rattraper. Donc, la question de faire mon passé, ce n'est pas ça pour nous. Mais rôle nous c'est accompagner la réussite. Nous accompagner la réussite, mais qui ça nous fait? Pour examen, il y a 3 critères qui sont fondamentaux, qui sont et c'est des critères que n'importe quel monde doit regarder en matière d'évaluation des dossimologies ou abjoignées. Et une là-dedans, c'est fiabilité. La fiabilité, nous dégageons dans un premier temps, question que nous posons, quel que soit le monde qui a une question, quelle question est claire pour nous. Et nous avons même des éléments d'accompagnement. Si la question n'est pas claire pour nous capables, un disque qui dit le mec qui côté pour répondre à la question. Et nous même aller plus loin, dans le test modèle nous distribué à travers tout le pays, nous même disons, mais qui gens pour répondre à la question pour nous. Et nous avons 10 correcteurs et tout, mais qui gens à travers grille, question ça, mais comment pour évaluer tout à travers grille, pour chaque monde pas évaluer en fonction des réponses qu'il a en tête. Mais ils ont 4 pour évaluer la réponse là. Donc, nous faisons le premier élément sur validité. Nous allons sous fiabilité, alors nous allons sous validité. C'est-à-dire, lorsqu'on pose une question, il faut regarder est-ce que la question a un lien avec le programme. La question, on pose une question, mais il faut que la question ait un sens. Il faut qu'il y ait un rapport à le programme. Dans ce sens, toute question que nous posons là,
nous avons environ plus que 135 professeurs dans l'Ouest. Avec le temps, nous avons publié pour nous dire, pour nation, mais qui monde qui choisit l'examen petit? Et les ça, la nation a beaucoup plus rassuré parce que pour ça, généralement, c'est des gens qui ont de grandes réputations dans l'Ouest. Donc, c'est eux-mêmes, avec nous travail, nous avons un document qui est le cadre de référence nationale pour les examens. Dans le cadre de référence, ça, mais comment examen est sorti? Donc, toute question qu'a posé, question ça, il y aura un lien avec les programmes et on distribue sur tout le programme. Nous, à 3 jours de passation épreuve, fin d'études secondaires, que nous avons les baccalauréats, son moment est d'une importance cruciale pour l'avenir de Timonio et pour l'avenir du pays. Donc, nous tous nous connaissons, organiser l'examen dans le contexte sociopolitique actuel du pays d'Haïti, c'était un véritable défi sur la table. Perturbation constante causée par l'instabilité politique, manifestation, insécurité généralisée et que nous connaissons. C'est des bagages qui affectaient sérieusement le déroulement normal couyo, tout au long des années scolaires là, et nous avons dit même pendant 5 dernières années qui sont passées. Et de rentrer des classes difficiles jusqu'à ce que le problème qui vient de gagner vienne empêcher que l'école fait correctement. Si nous faisons face à des fermetures d'écoles fréquentes et prolongées, et bagay sa li entraîné discontinuité apprentissage. Gen pile ti moun ki perdu des semaines, gen ki perdu des mois d'enseignement, et bagay sa li mette en péril préparation yo, non seulement pour examen, mais sou ta vle pour futur yo, pour demain yo. Nan contexte difficile ça, bon c'est l'important pour que nous reconnaître effort extraordinaire que enseignant directeur Miguel sont à parler là yo parents d'élèves et élèves yo même yo fait pour rattraper sous table le retard qui accumulé yo.